Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo rituelle. Le titre, c'est « Mes trois feuilles et il, elle t'aimera 3000 fois plus ». Ça, c'est vraiment un rituel pour quand quelqu'un ou si quelqu'un vous aime bien et que vous voulez vraiment qu'il y ait de l'amour amoureux, eh bien, vous faites ce rituel-là. Ou même s'il n'y a pas de sentiment, eh bien, faites ce rituel-là. Vous m'en direz des nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on aura besoin ? On aura besoin pour ce rituel un papier, une feuille blanche. On aura besoin d'un bic. On aura besoin d'un bocal fermé. Si vous n'avez pas de bocal, vous pouvez prendre un verre et vous mettrez de l'aluminium pour le fermer. On aura besoin donc de quelque chose pour allumer la bougie. Ici. Oups, voilà. De miel. Je ne sais pas si je l'ai dit. Non. On aura besoin de miel. Donc, on va mettre le bocal ici. Et on aura besoin de trois feuilles d'arbre. Alors, si jamais vous n'avez pas des feuilles d'arbre, je sais que c'est pas évident d'en trouver, vous pouvez les trouver par terre. Vous pouvez prendre trois feuilles de plantes aussi, si vous avez des plantes à la maison. Au pire, si vous n'avez pas de feuilles d'arbre, eh bien, vous pouvez, voilà, sur un petit papier, vous dessinez une feuille. D'accord ? Il vous en faudra trois. Donc, ce sera en plus de ce papier blanc. Alors, n'oubliez pas qu'il y a le jeu concours aléatoire. Donc, les personnes qui mettront le plus de commentaires sous plusieurs vidéos, évidemment, qui sont récurrents, que je vois souvent, eh bien, auront la chance de gagner un rituel gratuit. N'oubliez pas également que pour procurer les livres de coaching, donc comment... devenir une femme fatale en 21 jours et le rendre fou amoureux. Donc, vous tapez Farrakhet sur Amazon, sous la vidéo aussi dans la description, eh bien, vous pourrez trouver aussi les liens, et vous verrez sur Amazon. On a aussi comment sortir une relation toxique en 21 jours. Nous avons également la loi de l'attraction. Voilà. Et les trois livres de rituels, donc c'est un peu des livres de poche, de rituels que vous ne trouverez que sur, dans ces livres, sont des rituels que vous ne trouvez pas sur YouTube. Et donc, si vous voulez des rituels personnalisés, vous savez me contacter sur le WhatsApp au plus 34 618 13 25 89 ou par email à contact@farrakhet.com. Alors, un petit truc que j'avais à dire, quelques personnes me reprochent de montrer mes livres. Et ben écoutez, je dois bien gagner ma vie. Hein. Je suis pas youtubeuse. Les youtubeurs, ils font des vidéos comme ça, puis les marques les contactent et ils gagnent leur vie comme ça. Je ne suis pas youtubeuse. Donc, que ce soit bien clair. Et puis, si ça plaît pas aux gens, j'oblige personne à regarder la chaîne. Et je remercie en tout cas ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Allez, on va commencer. Donc, le papier blanc ici. Bon, on va le couper. C'est un peu grand. Pour la feuille blanche. Voilà. On va couper les bords. Bon, décidément, c'est encore tombé. Le téléphone est encore tombé, mais bon, voilà. Donc, on fait ici. On a le papier blanc, comme ceci. Voilà. Donc, ensuite, on a coupé les bords du papier blanc. Et on va frotter le papier dans ses mains pour donner de l'énergie. Voilà. Vraiment mettre de l'énergie. Voilà. Quand on a bien frotté dans les mains, on va dessiner deux cœurs. Alors, je vais vous montrer comment. Je vais mettre l'assiette ici pour pouvoir écrire. Alors, on va mettre un cœur ici. Et un cœur
comme ceci. Voilà. Donc vous faites deux cœurs. Donc on fait le premier cœur. Et ensuite, on ferait le deuxième cœur sur l'autre cœur, sur cette petite partie. D'accord? Comme ceci. Ensuite, on va mettre le prénom de la personne que vous voulez, donc à qui vous aime 3000 fois plus, et votre prénom ici, dans le cœur, dans l'autre cœur. D'accord? Et ensuite, vous allez colorier, remplir ici ce qu'il y a au milieu. Voilà, je vais vous montrer. Oups, ici. Voilà. Je vais vous montrer. Hein. Voilà. Tout ce truc au milieu. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez mettre, vous allez prendre ici, d'après là, une flèche, voilà, comme ceci. Et de l'autre côté, avec votre prénom, une flèche. Vraiment la flèche de Cupidon, comme ceci. Donc, on a fait le premier cœur, le deuxième cœur en prenant partie de l'autre cœur. On a colorié entre, on a mis le prénom de la personne, votre prénom. Ensuite, vous faites une flèche comme ça qui commence, qui touche votre prénom. Et de votre prénom, une autre flèche qui touche son prénom. Voilà. Ensuite, on va prendre les feuilles, les trois feuilles, et on va les mettre sur le papier. OK? Et on va, alors je mets ici, plier le papier une fois comme ceci, une autre fois comme ceci. Je peux appuyer, hein, même casser les feuilles, c'est pas grave. Une autre ici, et plier ici aussi. Comme ça, on a fermé, oui, on a fermé le papier. On va prendre le bocal. On va mettre le papier dans le bocal. Voilà. On va refermer le bocal. On va maintenant toucher avec ses mains le bocal de toutes parts. Hein, vous le touchez. Voilà. On va allumer la bougie. Ça, c'est... comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas obligatoire. Voilà, c'est pas obligatoire. Mais c'est bien. Donc, vous allez mettre votre main sur la bougie, ici, pour prendre l'énergie. Et vous allez ensuite mettre l'énergie sur le bol. On remet l'énergie sur la bougie et on va le repasser sur le bol. On recommence encore une fois, on prend l'énergie de la bougie et on va le repasser sur le bol. Quand vous avez fait ça, vous allez mettre ce bocal sous votre lit. D'accord? Vous le mettez sous votre lit pendant 7 nuits. Quand les 7 nuits sont passées, vous allez ouvrir le bocal et jeter en dehors de chez vous, ça peut être sur un trottoir, ça peut être n'importe où, en dehors de vous jeter le papier. Et vous le laissez, vous oubliez que vous l'avez fait. Et donc, mais notez bien que c'est 7 nuits, hein, pas plus, sinon ça fait un autre rituel. Et donc, vous verrez qu'au fur et à mesure que les jours avancent, eh bien l'amour va être de plus en plus fort. Vous verrez, c'est vraiment des miracles. Donc j'espère que vous aurez aimé. Abonnez-vous. Mettez des commentaires, likez, partagez aussi. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez des rituels personnalisés, uniquement les commander, vous me contactez par ici. Et on se retrouve pour un prochain rituel.